Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Robocraft, chers amis. Toujours dans les Robocraft Days, on arrive à la fin normalement, j'espère que ma tour arrivera bientôt. Malheureusement, nous sommes le vendredi, ça fait environ un ou deux jours que j'ai reçu le message comme quoi ma tour était partie en réexpédition chez moi. Cependant, je l'ai reçu assez tard le soir, autrement je me doute que c'est soit en fait qu'elle est partie le lendemain matin, soit dans le lendemain soir en fait. Donc voilà pour les informations. Je peux peut-être espérer de la voir demain. Le problème c'est que demain je serai pas forcément chez moi. C'est un gros bordel. Mais bon, c'est comme ça, on verra bien. En tout cas, la tour est de retour pour vous jouer un mauvais tour bientôt. Voilà, je vais le dire, hein, tellement de tours dans cette phrase. Mais bon, c'est comme ça. On part avec le Sense Rod. Vous m'avez dit qu'il fallait que je mette des ailes dedans. On va attendre d'avoir un peu plus de flops pour pouvoir nous le permettre. J'espère aussi pouvoir y mettre peut-être le fameux power boost pour pouvoir simplement augmenter la capacité de tir de notre robot. Contrairement à ce que tout le monde a pu penser au départ en disant que ça allait être ridicule et que ça allait pas marcher, il est efficace, il est même extrêmement efficace. Le seul véritable détail qui manque, c'est sa capacité à se tourner et à se déplacer de manière sans être dérangé par tous les obstacles autour. Effectivement, c'est normal vu la forme qu'il a, mais on va pouvoir améliorer tout ça, je pense, suivant ce qu'on fera avec les différents flops supplémentaires qu'on aura au fur et à mesure des niveaux. On a le Nyan Clan, le Nya Clan, pardon. Godzilla Robot, je le connaissais celui-là, c'est marrant. Enchen Klein, oui d'accord. Free Jam Full Copy, ok d'accord, c'est bizarre comme mot ça. Alors on a rarement été sniper de ce côté-là de la map. C'est une bonne chose. On va enfin pouvoir se venger toutes les fois où on a eu... où on a eu des emmerdes, hein, soyons honnêtes. En plus, on est tanky avec ce robot, ce qui est une bonne chose. Ok. Alors lui, il lag dur. Hein. Oh. Hop là. Dégage. Ok. On va approcher un petit peu. Hop. Oh. Quel dommage. L'avantage c'est qu'il est extrêmement solide et il commence par viser les pattes, chers amis. Donc, ça veut dire que je suis à même de rester vivant. Oh, quel dommage. Ah ça c'est véritablement dommage. Hein. Je vais me ranger comme il faut et on va aller se venger du sniper. Et tout, c'est notre rôle. D'ailleurs, on pourrait même rester là, hein, ce serait suffisant. Hop. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas de problème de son. J'espère que la musique un peu plus fort, ça vous plaît, chers amis. Je n'ai pas encore eu de retour à ce sujet, c'est bien dommage d'ailleurs. Mais bon. Ah, je suis pas bien droit apparemment. Oh bah alors. Voilà. Ok. Donc il reste là-bas, donc je vais remonter. Je vais remonter. Hop, voilà. Ok, je remonte. On verra bien ce qui pop de là-bas. Ok, j'aimerais... Oh mais mince alors, pourquoi ça touche plus? Hop là! Voilà. Ok. Ah, merde. Où est-ce qu'il est? Putain, je l'ai perdu, bon c'est pas grave. Oh, quel dommage. Oh! Heureusement que j'ai dit qu'il était précis normalement ce robot. Je vais essayer de regrimper en haut, on verra bien. Avant il était précis, je le trouvais plus précis que ça. Après maintenant peut-être qu'il est précis que sur lui plat. Alors. Je ne sais pas. Ok, ça a été détruit. Ce qui est en soi une très bonne chose. Hop.
Hop. Hop, les. Voilà. Oh. Ok. Je suis content d'un petit bruit. Pas vous? Hop, les. Oh. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on est peut-être un petit peu. Merde, je l'ai raté. Ok, vous voyez, c'est surtout ce mouvement-là qui est problématique en fait, finalement. Ok, ils l'ont détruit. Il manque des mouvements à ces snipers quand même. Ok. Bon, je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Reculer, 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 reculer. Fais-le reculer. Merde. Faut pas le toucher de là. Voilà. Un kill. Ouh. C'est le premier. Ok. Ah mince. Raté. Hop là. Bon, lui il va mourir de toute façon, donc c'est bon. Mince. Oh. Tu tires droit devant toi ou pas? Tire droit devant toi. Oh, raté. Hop les. Touché. Ok. Ça se passe assez bien malgré tout. Je m'en fous du score là pour le coup. Hein. Ok. Merci. Putain, j'ai plus qu'un snipe. Une violence. Ok. En fait, là, on est en train de les pounaider, hein, littéralement. Hein. Comme on dit. Ça a été pound. Ok. Bah, vous savez quoi, on va avancer. Hop. Non, tombe pas comme ça, parfait. Et oui, c'est parce qu'il en a vers le bas, en fait. Regardez, comme il est en bas, bah, il a tendance à rouler sur lui-même, en fait, littéralement. Je touche. Je touche. Je touche. Hop. Ah, il me fait chier à laguer celui-là. Hop. Voilà. Problème résolu. Ok, continuons. Hop. Deuxième problème résolu. Quoi? Hop. Voilà. Et on va se mettre plus ou moins, je dirais, là pour pouvoir choper le spawn des mecs. Et les buter littéralement au spawn, hein, ce qui est complètement putain, mais c'est une protection supplémentaire. Quoi? Je me fais tirer dessus par derrière. Oh non! Ça c'est pute. Ça je suis pas d'accord, chers amis. Je suis pas d'accord. Ça je suis pas d'accord. Moi j'ai rarement pop aussi loin. Mais bon, c'est con, on a une mort sur la fin. On la méritait pas. Non, c'est la deuxième peut-être. C'est la deuxième je crois. Donc écoutez, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Bon bah par contre 7 minutes c'est une victoire écrasante. Hein. Ok, bon. C'est une bonne chose. C'est une très 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 bonne chose. Hop, je vais juste hop, enlever ma chemise, moi, chers amis. Blah. Les choses qui se passent IRL, c'est parce qu'il y a quelqu'un sous le bureau, ça se trouve. Même si techniquement, je suis pas sur un bureau, mais devant une enceinte qui tient une plaque, qui tient mon PC portable, ce qui est là, c'est là qu'est le bordel. Et l'enceinte est sur une autre plaque qui est sur des roues. Donc, ce qui fait que je peux tout faire bouger. Bref, vous voyez pas, en fait, je bouge mon écran en me disant que vous allez le voir. Débile. Bref. On pourrait bien partir avec ce truc-là. Est-ce qu'il a encore le truc? Oui, il a encore le truc en dessous. Alors, est-ce qu'avoir un seul armement, c'est suffisant? C'est là la véritable question. Remarque, ce que je pourrais faire, c'est mettre du heal en dessous.
qu'il l'accepte. Non, il l'accepte pas. Il l'accepte vraiment pas. Et principalement à cause du truc derrière. Ok, pourquoi pas. Et si je rajoute un cube pour le plaisir de la beauté, de la forme. Là, il veut. D'ailleurs. Est-ce que je pourrais pas en mettre 3 si je fais ça comme ça? Ah mince. Hop, parce que j'ai toujours l'habitude d'appuyer sur 2 en fait, comme s'il y avait une touche possible. Non, il veut pas là. Hop. Ok. Parce que j'ai 3 heals, autant en mettre 3 quoi, c'est... Enfin, ça me semble logique. Pas encore. Tant pis, hein, je vais le faire jusqu'au bout, chers amis. Hein. Ok. Comme ça, on pourra un peu healer nos potes, ce qui va être rassurant. Parce que vous, vous plaignez que je heal pas assez, que je joue pas assez en équipe. Mais écoutez, on va jouer en équipe. Nous sommes là pour jouer en équipe, nous allons jouer en équipe. Hop, d'accord, parfait. Nous avons un total de 200 et quelques points. 236 points, j'imagine que ce n'est pas suffisant pour ceci. 290 flops, c'est loin d'être suffisant. Mais alors, vraiment loin. Ok. Voilà, c'est ça. On est vraiment, vraiment, vraiment très très loin. Est-ce que pour ceci on est loin cependant? On est peut-être un petit peu loin effectivement. Mais ça passe. Ça passe, ça passe. Eh bien écoutez, on part avec. On part avec et je vous dis à tout de suite.